Logiquement, ils n'annoncent pas de pluie, un petit peu malheureusement, parce que c'est vrai que le jardin en a besoin, mais bon, hein, tant mieux pour nous quand même, parce que la pluie c'est pas gai. Surtout qu'ici, on sait quand est-ce qu'elle arrive, mais on sait jamais quand est-ce qu'elle arrête. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, mardi, quoi de prévu? D'abord en cuisine, qu'est-ce qui est prévu? Ce midi, il y a un crumble salé de courgettes et puis des hamburgers d'agneau ce soir. Ensuite, au programme, il aura les courses, le retour de course et les résultats d'Angel de son brevet. Croisez doigts. Ben, je suis réveillée, il est déjà presque 10h. Il est 10h moins 10. Je suis réveillée depuis un moment, hein. Je suis réveillée depuis 7h. Mais bon, j'ai un petit peu profité de ma matinée, j'ai un peu flémardé, j'ai fini ma liste de courses, j'ai déjeuné, et là je vais attaquer mes routines, le petit ménage de ma salle, enfin le petit ménage, le ménage de ma salle de bain, et puis ça sera tout pour aujourd'hui niveau ménage, ouais, et ensuite j'attaque le repas. Il n'y a que les filles qui sont descendues, elles sont seulement en train de déjeuner, et Angela est encore en train de dormir. Mais bon, je pense que je vais aller le réveiller dans pas longtemps. Parce qu'autrement il va pas savoir dormir le soir et du coup c'est un cercle un peu vicieux parce que quand ils dorment tard le matin ils ont du mal à s'endormir le soir et du coup comme ils dorment tard le soir ils se réveillent tard le soir etc etc. Bref, vous comprenez. Bon allez, je finis mon café et puis je me mets au travail. À tout à l'heure pour la recette. Je commençais le repas de ce midi. Ce midi, c'est le crumble de courgettes avec des petites brochettes de poulet au romarin que j'avais achetées toutes faites.
J'ai fait une grosse quantité de courgettes parce que j'ai pas l'intention de faire de féculents avec. Comme il y a déjà la pâte à crumble et tout dessus, je pense que ça me suffira largement. Alors, j'ai coupé mes courgettes en petits triangles. Je les ai fait revenir. Moi, j'ai laissé la peau des courgettes. Enfin, je laisse souvent la peau des courgettes parce que, en plus, là, c'est des courgettes du potager. Donc, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout dessus. Donc, je laisse la peau. Je les ai coupées en petits triangles. Je les ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec un oignon que j'ai émincé, un petit peu d'ail. Une fois qu'elles étaient pratiquement cuites, voilà, on aime les courgettes, enfin un peu tous les légumes, quand ils ne sont pas trop cuits en fait, et comme ils vont en plus recuire avec le crumble dans le four, donc je les ai juste laissées encore un petit peu fermes sous la dent. Et on préfère les légumes comme ça en fait, quand ils sont pas trop en purée, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là je suis en train de préparer le crumble. J'ai mis dans le bol de mon robot, j'ai mis, on achète du parmesan en morceaux comme ça, donc du coup j'ai mis un morceau de 80 g dedans et je l'ai mixé. Je vais faire tout mon crumble dans le bol de mon robot. Donc dedans je vais rajouter 150 g de farine et 125 g de beurre. Le beurre, je le coupe en gros morceaux et il est bien froid. Comme ça, c'est mon robot qui va gérer le crumble en fait. Une fois que j'aurai mes petites pépites de crumble, ben, ça sera bon. Faut pas trop mixer pour pas faire de la pâte, mais assez pour avoir vos pépites de crumble. Je mets pas de sel parce que le parmesan est déjà salé. Donc je veux pas que ça soit trop salé. Voilà. Ouais, je vais vous abaisser. Oups là. Est-ce que c'est bon là? Oui. Alors, chaque fois je me bats avec mon robot, alors que logiquement il y a des petites flèches, hein, où il y a des petites flèches pour me dire où est-ce que je dois le poser, et à chaque fois j'arrive à me battre avec, j'ai réussi du premier coup. Par à coup, et vous voyez là j'ai mes pépites de crumble que je vais du coup m'en disposer sur mes courgettes. Alors je vais ajouter des petits morceaux de chèvre frais comme ça. Je vais couper les morceaux en deux, les tranches en deux, hop, et je vais les disposer dans mon crumble par-ci par-là. Entre mes courgettes. Au-dessus. Alors j'ai miette avec mes mains. On a préchauffé le four à 180. Tu m'as appuyé sur le truc parce que ça fait tout à l'heure on a eu une coupure de courant et du coup il s'est mis en sécurité. Sur la main chérie. Donc on a préchauffé le four à 200 degrés et je vais mettre le crumble jusqu'à ce qu'au-dessus ça soit doré. Donc à mon avis une petite demi-heure ça devrait être bon. Oh,
c'est dans le crumble. Voilà. Et c'est bien juste de sortir du four avec les petites brochettes que j'ai fait cuire à la poêle. C'est des brochettes de poulet romarin. Alors, le crumble. Je vous laisse vous servir, les loulous. Voilà. Et le dessert de ce midi, c'est du fromage blanc avec les cerises confites maison. Et donc j'ai mis les trois petites cerises au-dessus et un peu de sirop qui va aromatiser le fromage blanc. Parce qu'il y a des trucs qu'on trouve pas en Belgique. Et on a fini par Grand Frais. En tout, on en a eu pour un peu plus de 160, un peu moins de 165 euros. Alors, on va commencer par Aldi. Aldi, j'en ai eu pour 9,90 €. Alors, j'ai pris des cornets pour la glace, des cornets de glace en gaufrette. Voilà. J'ai pris des céréales pour Kimberley. Elles sont moins chères à Aldi par rapport à Lidl. Donc du coup, voilà, comme j'y allais. Ensuite, on a pris des cochonneries. On n'a vraiment pas pris grand-chose. Chérie s'est repris des cookies. Alors, ceux-là, c'est des cookies double chocolat. Il y a des pépites de chocolat dedans. Et en dessous, il y a du chocolat. Ils sont très bons. Mais voilà. Hein. Et il a pris aussi ce aux noisettes. Il n'y en a pas beaucoup hein, dedans. Je crois qu'il y en a 8. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a deux barquettes. Comment tu sais? Et parce qu'on en a pris un paquet cette semaine. Quand on a été à la ferme. Voilà, on en avait mangé. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait du chocolat en dessous. Parce que autrement, c'est papa qui les mange, c'est pas moi. Et on a pris ceux-là à la pâte à tartiner à la noisette. Donc en fait, il y a des pépites de chocolat. Et à l'intérieur, il y a de la pâte à tartiner à la noisette aussi. Voilà. Et ensuite, parce que ce soir, c'est. Quoi ce soir? Le Mania Food. Voilà. Alors du coup, j'ai promis aux enfants qu'on allait se faire un petit. Truc le meilleur, ouais. Devant le match. Alors du coup j'ai trouvé un gros paquet de bonbons. On va pas tout mettre hein. Ah, il y a un kilo quand même. Alors voilà, c'est un mélange de bonbons. C'était 4 euros et des brouettes pour un kilo. Et voilà, c'est tous des bonbons que... Des bonbons sûrs, des bonbons, voilà. Un bon mélange de bonbons. Ça, c'est un de mes péchés mignons. Il faut pas qu'il y en ait à la maison parce qu'autrement... Voilà. Donc après chérie, je lui demande de les planquer comme ça je suis pas tentée. Voilà. Je sais pas où ils sont pas à ma portée, du coup j'y pense pas. Mais si je sais où ils sont, voilà. Comme par hasard, je vais tout le temps passer devant. Bon, allez, je continue avec Lidl en Belgique. J'arrive. Bon. Alors, on continue avec les courses du coup à Lidl Belgique. En Belgique, j'en ai eu pour 114,31 €. Alors, on va commencer par tout ce qui est frais.
J'ai repris des filets de poulet. Ils étaient à moins 30%. J'en ai pas besoin pour cette semaine, mais comme j'avais un paquet au congélateur, du coup, ça m'en fait un deuxième parce qu'avec un, il n'y en a pas assez pour nous cinq. Voilà. Ensuite, j'ai pris des dés de jambon. C'est pour faire une salade piémontaise au jambon cette semaine. Des salades. Alors, j'ai pris... Parce qu'en fait, dimanche, logiquement, on va voir le match, c'est des amis. Et je vais ramener un mix de club sandwich, en fait. Donc, du coup, j'ai acheté des salades pour mettre dedans. J'ai acheté poulet andalouse, salade de viande. Donc, c'est des jambons avec du cornichon, des petits oignons, des trucs comme ça, voilà. Du fil américain, de la salade de thon, voilà. Ensuite, j'ai repris... du beurre, j'en ai pris deux. Du mascarpone, parce que j'ai prévu de faire un gâteau citron, mascarpone, thym, huile d'olive cette semaine. C'est un essai. Chérie, quand je lui ai dit ça, il a fait drôle de tête, mais bon. Ensuite, j'ai repris du chorizo pour faire une recette de légumes grillés au chorizo, un gratin. Ça, c'est pareil, c'est pour mettre dans les sandwichs, c'est du gouda. En fait, après en viande, je pense que... Ah oui, j'ai pris des cordons bleus de poulet. C'est pour faire avec un risotto de gourgettes cette semaine. Des chipolatas campagnardes, c'est pour une plaque. Vous voyez, des légumes, comme je fais d'habitude, que je fais cuire au four. Je mets plein de légumes, je mets mes saucisses et je passe au four. Enfin, je vais d'abord cuire mes légumes et ensuite je mets mes saucisses. Au niveau surgelé, j'ai pris deux baguettes. Alors, c'est celui-là, c'est au beurre et fines herbes. Et celui-là, c'est au beurre d'ail. C'est pratique le soir quand j'ai plus de pain ou quoi. Bah, j'en fais chauffer une et c'est très bon. Les enfants, ils aiment bien. Est-ce que vous pouvez mettre ça au congélateur, les loulous, tout ce qui est surgelé? Alors, j'ai pris des steaks à Lidl en Belgique. C'est un lot de 8. Alors, tout ce que j'espère, j'ai essayé de regarder, c'est que c'est des purs bœufs. Parce que je n'aime pas les steaks avec des trucs dedans. Donc, c'est la première fois que je les prends. On testera, on verra bien. Ensuite, en surgelé. Alors, ça, c'est aussi pour ce soir devant le match de foot. On a pris des mini éclairs au chocolat. Alors, j'espère qu'avec tout ça, la France va gagner. Hein, parce que des petits profiteroles qui donnait bien envie, avec chocolat noisette. C'est enrobé, je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de me rapprocher. Voilà, donc en fait ils sont enrobés dans une coque de chocolat noisette et une crème à l'intérieur. Et j'ai pris la même chose mais en au beurre salé, caramel beurre salé. Donc là c'est pareil, c'est enrobé dans une coque. Donc on verra bien, on verra ça, on vous dira, hein. Donc tout ça c'est pour ce soir, c'est le dessert de ce soir. Maman, je le mets dans le congélateur ou ensuite, tu peux les laisser à l'extérieur, je crois qu'il faut les faire dégeler. J'ai repris mes deux petits, il y en avait encore, je ne sais même pas dire. C'était re en stock, voilà. Donc du coup, j'ai pris des petites boulettes, vous voyez ces petites perles que je prends d'habitude de chèvre. Alors il y avait chèvre fines herbes, alors j'ai fait attention de ne pas prendre au miel, hein. Et puis il y avait nature, donc j'en ai pris deux parce qu'en plus c'est bon longtemps. C'est bon jusque septembre. Ouais. Donc du coup voilà. Et il y en avait au cranberry aussi mais j'ai pas pris. Donc voilà, c'est les petites billes comme ça. Voilà. Donc oui, il y avait cranberry aussi, mais comme Chérie n'aime pas trop le sucré salé, je n'ai pas pris. J'ai repris donc des yaourts grecs. Les yaourts grecs, je m'en sers surtout pour tout ce qui est tartinade ou des choses comme ça. J'ai repris mon skyr, du fromage blanc. Et justement, même pour les tartinades, j'ai repris deux fromages frais. Parce que chérie voudrait que je fasse des tartinades avec du maquereau, enfin des choses comme ça. Du coup, on n'a rien acheté pour l'apéro à part ça. Et ensuite, pour les hamburgers de ce soir, parce que ce soir, c'est des hamburgers d'agneau, j'ai trouvé du fromage... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Yalumi. C'est du fromage à griller, mais qui ne fond pas, en fait. Et là, en fait, il faisait, mais en version comme un steak... Voilà.
Donc on verra. J'en ai pris deux. Parce que... Voilà. J'en ai pris deux justement, voilà, pour les emballages de ce soir. Et puis parce que je voyais pas très bien en fait comment c'était, combien il y en avait à l'intérieur. Parce que c'est présenté dans un paquet comme ça. Et voilà, on voit pas très très bien combien il y en a dedans. Ça fait un bloc. Alors à mon avis, il doit en avoir trois dedans. Mais bon, on verra. Ça sera pris tout à l'heure quand on l'ouvrira. De quoi ? Ensuite, en fromage, donc j'avais pris le Hollande jeune que je vous ai fait montrer tout à l'heure en tranche pour mettre dans le hamburger. Et du gouda pour mettre dans la piémontaise. Alors c'est du gouda vieux. Ensuite, j'ai repris de la vache qui rit. Ça, c'est parce que j'aime bien en avoir d'avance. Par contre, j'ai pas fait attention, j'ai pris de la light. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien en avoir d'avance puisque je m'en sers pour, dans des recettes en fait. Et du coup, et puis comme ça, un fromage qui conserve bien. J'ai repris de la crème liquide et 3 pots de crème épaisse parce que j'ai prévu des tartes maroilles cette semaine. En fruits, j'ai pris des bananes. C'est tout ce que j'ai pris, je prends sans fruits et légumes, parce qu'après j'ai pris à grand frais. Et puis en plus on a été à la ferme cueillette cette dimanche. Donc du coup j'ai pas mal de légumes que j'avais déjà achetés à la ferme cueillette. J'ai pris un mix comme ça à pour l'apéro. Il y a des bâtons de céleri, du chou-fleur, des radis et des bébés carottes. Comme j'avais pas trouvé les bébés carottes à Aldi, ben, j'ai pris ça. Et j'ai pris un mix de légumes, comme je prends d'habitude, il était encore à 30%. C'est avec des oignons, poivrons rouges, poivrons verts et poivrons jaunes et des carottes. C'est pour faire une poêlée express, un mijoté express de bœuf à l'orzo cette semaine. Donc ensuite, avec on continue. Donc là, j'ai repris de la crème, voilà, au cas où, pour une glace. Mais logiquement, la glace que j'ai prévue, c'est un sorbet Mojito citron vert menthe. J'ai pris donc du coup des filets de maquereau pour la tartinade que chérie m'a demandé. Des pignons de pain, c'est pour le risotto aux courgettes que je vais faire cette semaine. Je me suis repris du chocolat noir parce que moi je raffole du chocolat noir, je préfère le noir que du... Donc j'en ai repris, il m'en reste encore à la framboise et au caramel beurre salé qui sont très très bons. Celui-là j'ai voulu prendre aux noisettes. Chérie s'est pris l'huile blanc qui prend d'habitude aux noisettes croustillantes. Pour ce soir, alors j'ai pris, ça va être soirée cochonnerie hein, ce soir, mais bon je sens pas tout mettre, hein, je vous le dis. Hein. Donc des style M&M's et des chips de chocolat. Alors c'est pas des chips de pommes de terre, hein. Ça fait des tuiles en fait de chocolat fines, croustillantes. Voilà, alors ensuite j'ai repris du sopalin. J'avais pris aussi du papier toilette. Vous pouvez me ramener le papier toilette, les loulous. J'ai pris du papier toilette en parlant de papier toilette humide. Voilà, parce que ça sert et que. Voilà. Ensuite, j'ai pris du déodorant. C'est celui qui est sans sel d'aluminium. Donc, du coup, voilà. Et j'ai pris des trucs comme ça là, pour mettre dans les toilettes désinfectantes. Le fameux papier toilette. En produit d'entretien, ah oui, si, j'ai repris aussi du mire-vaisselle à la pomme, pas du mire-vaisselle, oui c'est ça, à la pomme. Ensuite, ah oui, encore en yaourt, j'ai repris le yaourt qu'on prend d'habitude, le yaourt pour les enfants, le petit déjeuner, c'est ce qu'ils font avec leurs céréales. J'ai repris de l'huile d'olive, chérie s'est repris sa bouteille de martini, enfin c'est pas du martini, c'est du vermouth. C'est une imitation martini. De la pâtée pour princesse. Et puis ces petits bâtons là qu'elle prend en rentrant de promenade le soir. Elle le sait maintenant, elle les réclame. Alors ensuite j'ai pris, parce que je dois retourner à la ferme, je suis enfin au moulin. Je suis en panne de farine, mais on n'aura pas le temps cette semaine. Donc du coup j'ai repris 5 paquets de farine pour tenir un petit peu le temps qu'on va à la ferme. Et comme chérie il lui reste 15 jours, je pense qu'on ira pendant ses vacances. Ça sera moins speed parce que le moulin est quand même à quelques kilomètres de la maison. Il doit avoir une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Donc du coup voilà. En plus quand on y va souvent, enfin on fait l'aller-retour. C'est un peu idiot. Donc là on en profitera. Il y a la forêt et tout pas loin. Donc on en profitera pour aller à la forêt. J'ai repris du sucre fin. Donc là cette fois-ci j'en ai pris 3. Parce qu'en ce moment je fais pas mal de confitures, de choses comme ça. Donc du coup voilà, pour ça j'aime bien en avoir un petit peu d'avance.
Ensuite, j'ai repris les boissons pour les loulous, donc j'en ai pris deux. Ça, c'est goût fruits rouges. Et j'ai repris la même chose, goût pêche. Voilà. Donc en fait, c'est du lait aromatisé, ça ressemble au yaourt à boire. Et on a repris 2 fois 1,5 litre de jus d'orange. Ça, c'est pour chérie le matin. Donc voilà pour Lidl Belgique. Donc je le range tout. Je vais demander à mes petits commis de me donner un petit coup de main. Et je vous reviens. On continue avec Lidl France. Alors Lidl en France, j'en ai eu pour 20,48€. J'ai pas pris grand chose. On a juste pris 2 packs d'eau. Un pack d'eau citron, pétillante citron. Et pétillante citron vert. C'est pour chérie, c'est les bouteilles qu'il prend au travail. Ensuite, il s'est repris des gâteaux sablés avec du chocolat et de la noix de coco autour. J'ai pris mes 2 maroilles pour les tartes maroilles, voilà. Ensuite, je me suis pris une brioche. J'avais un petit creux, alors du coup, j'ai mangé une tartine en sortant du magasin. Hein. Il s'est repris ensuite des panachés. Comme il faisait chaud en ce moment, il aime bien boire ça de temps en temps le soir en apéro ou voilà. Ensuite, je me suis pris un masque réparateur. J'ai acheté le shampoing et il marche très bien. Voilà. Donc du coup, je vais essayer le masque aussi. Je me suis pris du dissolvant parce qu'en ce moment, je mets du vernis normal au-dessus de mon gel. Donc du coup, pour enlever le vernis, il me fallait un vernis sans acétone. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris. Du coup, ben, je me suis pris des cotons pour aller avec parce que je n'utilise pas de coton pour me démaquiller. J'utilise des cotons lavables. Mais pour enlever le vernis, ça ne va pas les cotons lavables parce qu'après, ils sont nazes. Vous n'aurez plus à avoir le vernis. Donc du coup, j'ai racheté des cotons pour aller avec. Et ensuite, j'ai acheté 2 paquets de mini-doux. Alors les mini-doux comme ça, moi, je les mets dans une petite bouteille. Ça sent bon. Donc dans une petite bouteille d'assouplissant que j'avais d'avant. Et je le mets pur en fait, comme ça, je dilue pas. Et je mets un petit bouchon dans ma machine. Mais je m'en sers aussi pour... Ah, ça sent bon. Je me sniffe au mini-doux. Oui, je m'en sers aussi, je mets un ou deux bouchons dans un petit pulvérisateur et quand je fais avec, je complète avec de l'eau et quand je fais mes lits ou des trucs comme ça, ben, je pulvérise dessus. Comme ça, ben, ça fait un peu comme du Febreze en fait, mais voilà, ça sent l'assouplissant et ça sent très bon. Donc voilà pour Lidl France, du coup maintenant on va passer à Grand-Prêt. On en a eu pour 17,86€ et du coup j'ai acheté du céleri branche. Alors faire attention parce que le céleri branche à grand frais il est au kilo le prix. Donc je vous le dis parce que je me suis déjà fait avoir à prendre la plus grosse. Parce que alors j'avais besoin que de 2-3 branches. Mais à chaque fois je regarde pour prendre, c'est comme les choux quand ils sont à l'unité, je prends le plus gros. Et en fait compte maintenant c'est au kilo. Donc voilà. Hein. Et ça je vais en avoir besoin donc pour... qu'est-ce que j'ai prévu? Une salade composée à l'orientale cette semaine. Et j'en ai besoin aussi pour un autre. Ah oui, et le risotto aux courgettes. Voilà. Donc en fait, j'ai besoin de 2-3 branches. C'est pour ça que j'en ai pris un petit. J'ai pris des petites pommes de terre grenaille rouge. Donc j'ai pris un peu plus d'une vingtaine. Voilà. C'est pour. Faire ma plaque avec mes saucisses, avec mes légumes que je vais mettre autour. Ensuite, on a pris en dessert, pour une fois cette semaine, des pêches plates. Voilà. Ça sent bon. J'ai repris un tout petit peu de tomates cerises parce qu'on a acheté aussi à la ferme cueillette. Donc du coup, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai repris un peu de... champignons. Alors j'avais dit à chérie 3-4 poignées, mais bon, il m'en a pris 2 poignées. C'est pas grave. Donc c'est pour mettre aussi pour ma plaque avec mes légumes, avec mes saucisses. J'ai pris des pâtes complètes. C'est pour faire un gratin aux légumes et aux chorizo, aux légumes rôtis et aux chorizo. Des citrons verts pour mon sorbet mojito.
citron vert menthe. J'ai repris des filets d'anchois à l'huile d'olive. Ça, c'est pour une salade d'haricots verts aux saveurs du sud. Du gingembre, parce que j'ai prévu un poulet tikka masala cette semaine. De l'orzo, ça c'est pour mon mijoté express de bœuf à l'orzo. Chérie s'est repris des anchois comme ça marinés en fait. Je crois que c'est Alaï qui l'a pris. Oui. Et j'ai repris des œufs. Alors là, c'est des œufs blancs. En fait, ils étaient à côté des œufs normaux. Entre guillemets, des œufs normaux. Oui, des œufs normaux. Voilà, ils étaient à côté des œufs normaux. Et il y avait 1 euro d'écart entre les blancs et les normaux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. C'est pas la coquille de l'œuf. Hein. Donc voilà. Alors chérie, il dit, mais comment c'est qu'ils sont blancs? Ils sont passés au Javel ou quoi? J'ai dit, j'en sais rien. Mais bon, à mon avis, ça doit être une poule, hein, une variété spéciale qui font des œufs blancs. Parce que... ouais, je sais pas. Bizarre. Par contre, j'ai pas vu. Ah non. Ah oui, mince. Souvent, je fais attention aux œufs que j'achète. Je regarde pour prendre des œufs de plein air. Et en fait, compte là, c'est des œufs en cage. Donc, je me suis fait un petit peu avoir. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, mais voilà. Stécie, elle regarde bizarre les œufs. Ils sont blancs, ces œufs. Voilà, liste de courses du coup finie. Donc, en tout, on en a eu pour un peu plus de 165 euros. Enfin, un peu moins de 165 euros, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour, comme d'habitude, une semaine, matin, midi et soir, 5 personnes, il y a tout dedans, les desserts, les goûters, les... voilà. Mais j'avais déjà pas mal de viande quand même dans mon congélateur. Comme d'habitude, je vous mets là tout de suite maintenant le menu de la semaine qui va défiler. Et vous retrouvez les recettes tout au long de cette semaine dans les vlogs. Voilà, les vlogs quotidiens. Bon, maintenant je range parce qu'il est déjà pratiquement 6h30 et j'ai le repas de ce soir à préparer. Allez, à tout à l'heure. J'ai sorti, commencé à préparer un petit peu pour ce soir. Donc j'ai sorti, en fait il y en avait 12 dans les paquets, les petits choux. Il y avait 12 petits choux comme ça avec la coque au chocolat praliné, 12 petits choux caramel et 12 mini éclairs. Donc du coup j'en ai sorti 5 de chaque du congélateur, enfin de la boîte, et j'ai mis les autres au congélateur. Voilà, j'ai préparé voilà les chips que je vous disais tout à l'heure, les chips au chocolat. Voilà à quoi ça ressemble, un tout petit peu de M&M's et un bol de bonbons. Voilà, ça va être du coup le dessert de ce soir. Logiquement c'était de l'ananas, je l'avais mis sous vide, donc je l'avais mis sous vide. Peut-être que je mettrai en plus le tupper sur la table, on verra pour celui qui veut des fruits. Et là je vais attaquer les hamburgers. Ah, la chérie, j'ai ouvert le fromage à griller, le Yalumi. Je vais vous montrer. Donc, en fait il y avait 4 tranches dedans. Et en fait, c'est des tranches comme ça. Oups là, voilà. Donc du coup, j'en ai sorti 4 et j'en ai mis... enfin, j'en ai sorti 5 parce qu'on est 5 ce soir. Vas-y, tu peux rentrer. Non, j'ai la poubelle. Ah, bon, chérie, sors la poubelle, j'arrive. Oui, donc je disais, j'en ai sorti 5 parce qu'on est 5 ce soir. Et les autres, je les ai mis sous vide. Avec mon appareil sous vide que j'ai acheté à Lidl, il va très bien. Avec les rouleaux de plastique. Voilà. Et franchement, pour garder la charcuterie ou le fromage, mais alors après, vous le gardez pendant un moment. Une fois que ça a tamé, vous pouvez le garder jusqu'à la date de péremption en fait qu'il y a sur l'emballage. C'est vraiment nickel. Donc du coup voilà, j'ai mis les 4 autres sous vide, les 3 autres sous vide, et je m'en servirai dans une salade, sûrement une salade grecque ou un truc comme ça, parce qu'il suffit de le faire griller, de le couper en petits dés et c'est très très bon.
Bon, bah du coup, bah, là, moi, je vais faire cuire mes steaks. Ce sont donc des steaks d'agneau. J'ai sorti les petits pains hamburger maison que j'avais mis au congélateur. Si vous voulez la recette, je vous mets le petit i ici, le petit lien pour avoir la recette. Et j'ai préparé des rondelles de tomates. J'ai préparé donc des rondelles de tomates et des rondelles d'oignons. Donc ça va être le pain, le steak d'agneau, le fromage, tomate, oignon et de la salade pour celui qui veut. Et je vais aller voir dans mes tubes de sauce ce qui pourrait aller avec l'agneau. Voilà. Bon. Non, non, tu vas te préparer, chérie. Oh, parce que dans trois quarts d'heure, c'est le match. Bon, allez, je vais faire cuire mes steaks et je vais pousser pour que mes loulous se préparent pour ensuite mettre leur pyjama pour qu'ils puissent regarder le match avec nous tout à l'heure. Voilà, en fait, vous voyez le fromage, le yaloumi, c'est un fromage qui fond pas. Donc il reste entier comme ça, vous le faites griller et puis ça reste comme ça entier. Et toi, donc, je vous souhaite... Oh non.
avons gagné.